Comment produire simplement des commentaires audio de qualité avec Audacity? La qualité des audios en e-learning est primordiale. En effet, les bruits parasites, la réverbération ou encore les défauts acoustiques engendrent l'abandon de l'apprenant. Pour vous en prémunir, pas besoin de studio, mais simplement d'un micro adéquat et d'un outil d'édition audio, Audacity. Je vous montre. D'abord le micro. Nous avons choisi pour son rapport qualité-prix le micro USB Blue Yeti. C'est lui. Nous le réglons ainsi au niveau de la face, puis ainsi au niveau de l'arrière. Pour l'enregistrement, positionnez-vous face au micro posé verticalement sur son support. Tenez-vous à une dizaine de centimètres du micro, articulez et marquez les mots importants sans forcer votre voix. À présent, voyons Audacity. Le logiciel se présente ainsi à son ouverture. Avant de lancer votre enregistrement, sélectionnez votre micro dans la liste et vérifiez le volume d'enregistrement ici. Le fonctionnement de base est simple. Le bouton enregistrer, le rond rouge, pour débuter l'enregistrement, puis le bouton stop, carré noir, pour l'arrêter. Une astuce, si votre langue fourche ou si un bruit parasite survient, n'arrêtez pas l'enregistrement. Reprenez au besoin votre dernière phrase, puis poursuivez. Audacity permet en effet, en post-production, de corriger l'enregistrement, en coupant des zones, en réduisant des bruits ou encore en compressant la bande audio. Une fois ces opérations faites, il reste à exporter l'enregistrement dans un format audio, le MP3 pour nous, et enfin à le sauvegarder au besoin. Finalement, pour produire un commentaire audio, il est nécessaire 1. De régler le micro, 2. De s'enregistrer dans Audacity, puis 3. Y faire la post-production pour enfin 4. Exporter l'enregistrement dans le format choisi.